Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Rivi d'Afrique Kundara. Le chef d'état-major général des armées entend sévir contre les coupeurs de route qui continuent d'érasir certaines artères routières en province. En tournée dans les garnisons militaires de la moyenne Guinée, le général Saliba Koulibaly a constaté des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurisation des populations et dans la protection de l'environnement. Le chef des armées du colonel Mamadi Doumbouya a brandi également des menaces contre des administrateurs territoriaux. Alors, à Koundara, ce haut responsable du CNR, du Comité national du Rassemblement pour le développement, a déploré la montée grandissante de l'insécurité, bien qu'il y ait des unités mixtes érigées contre ce fléau. Il a notamment pointé le cas des coupeurs de route qui continuent de servir. Il faut que les patrouilles soient organisées, a instruit le général Saliba Koulibaly, faisant allusion à des patrouilles diurnes et nocturnes. C'est la meilleure protection, ajoutera-t-il. S'agissant des dites patrouilles, il a invité les forces de sécurité et de défense de ne pas entrer dans les domiciles des citoyens. Vous vous promenez, tous les malfaiteurs qui sont là-bas vont quitter et la population va être sécurisée. Mais si nous restons ici en train de jouer au damier, dit que la sécurité incombe à la gendarmerie et à la police, alors que nous, militaires, devons être complémentaires, même si chacun a son domaine de compétences, nous devons être complémentaires, a-t-il montré. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.